votre émission web préférée, je vais le dire ainsi. Je n'en pas génération du 21e siècle. Je suis David Somi alias TKD et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver ce vendredi. Bonsoir chers internautes, c'est avec un plaisir immense que nous vous retrouvons ce jour dans le cadre de notre émission préférée. Comme à l'accoutumée, tous les vendredis dès 18h, où que vous vous trouvez, nous espérons que vous êtes bien installés chez vous. Alors on ne le dira jamais assez, si vous êtes nouveau ou alors nouvelle sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien évidemment, on compte sur tous les anciens afin de partager le lien de cette nouvelle édition. Cette semaine est plutôt particulière parce qu'elle marque la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre et surtout la dernière semaine de vacances avant la reprise des classes. Donc fini les jeux à volonté et place à l'éducation. Toujours est-il, on a le récapitulatif des informations pour vous tout de suite, donc c'est le point actuel. À l'ouverture de cette rubrique d'actualité éducation, reprise des classes lundi 5 octobre 2020 sur l'étendue du territoire dans un contexte plutôt particulier à cause de la pandémie. Le gouvernement a fait des efforts pour allier éducation et sécurité sanitaire. Dans le souci de l'accessibilité du manuel scolaire, le gouvernement annonce une vaste opération de distribution de 4 millions de livres dans 13 000 écoles sur l'ensemble du territoire national. Fini la vie de l'école et place à l'école de la vie. Les nouveaux bacheliers de cette année, après la joie de l'examen, doivent s'arrimer tout naturellement aux différentes procédures administratives pour assurer leur année universitaire, chose pas facile. Actu People, l'artiste Daphné fait des révélations sur sa vie privée. Elle décide de partager une partie très émouvante de son histoire et apporte son soutien à toutes les autres femmes qui ont été victimes de viol. En retour, elle n'hésite pas de recevoir le soutien de la part de ses fans et de ses collègues artistes. C'est tout pour cette rubrique d'actualité. Les journées mondiales. 4 octobre, journée mondiale du sourire. 4 octobre, journée mondiale des animaux. 5 octobre, journée mondiale des enseignants. Et à cet effet, on vous a prévu une surprise. À tous les enseignants du monde, nous vous disons bonne fête. Vous êtes toujours là pour nous éduquer malgré que c'est parfois difficile. Les conditions d'enseignement ne sont pas toujours agréables, mais déterminés par votre passion, rien ne vous arrête dans votre mission. Former des hommes de valeur et travailleurs est votre objectif en dépit de tout ce que vous subissez. Avoir un monde meilleur, en effet, dépend de vous. On ne vous le dira jamais assez. Merci. La jeunesse tend au cœur du développement de la nation. C'est un devoir, voire une obligation pour J.P. Chanel de s'interroger sur les différentes problématiques et thématiques qui se posent dans notre société. C'est dans ce sens que le thème que nous avons choisi pour cette nouvelle édition est le suivant. Rentrée scolaire 2020-2021, comment éviter les mêmes erreurs? Tout de suite donc, c'est le thème du jour. Sur notre plateau, on a notre invité, donc Maud Dimitri Jésus, qui va partager son point de vue avec nous ici sur le plateau. Bonsoir et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Alors la question de savoir comment éviter les mêmes erreurs pour le compte de cette année académique 2020-2021, qu'en pensez-vous? Bon, déjà pour le compte de l'année académique 2020-2021, il faut d'abord recenser quelles sont les erreurs principales qui ont été commises l'année passée. Et maintenant, voir dans quelle mesure améliorer, voire changer complètement pour la nouvelle année qui vient. Donc ici, quand on dit erreur, on fait beaucoup plus référence aux différentes situations de violence qu'on a eues au cours de l'année 2019-2020, notamment avec la mort de l'enseignant et de certains élèves. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette situation de violence en milieu scolaire? Je dirais pour ma part, il faut passer par une préparation psychologique. Psychologique au niveau des enseignants et au niveau des élèves. Pourquoi? Parce que l'enseignement est un univers où on mélange les esprits. On ne sait pas avec quel esprit l'élève part de la maison. On ne sait pas avec quelle situation psychologique il vient. On ne connaît pas quel est le suivi psychologique que même les enseignants ont. Vous savez, la société est assez dure. Au Cameroun, les temps sont mauvais. Tout le monde se bat pour pouvoir tirer, si je peux dire, la couverture de son côté. Et vivre toutes ces frustrations-là, il est parfois difficile de contenir ses émotions et de se restreindre à ce qui est de notre, soit l'enseignement, soit l'étude.
Les élèves aujourd'hui outrepassent leurs droits. Ils vont à l'école pour voir un stupéfiant, ils vont à l'école pour faire du désordre, tout ça partout. Les enseignants qui arrivent à l'école, soit pour faire la cour à leurs élèves, soit également pour se livrer aux mêmes pratiques que certains élèves, ce qui fait qu'il y a un certain conflit. Il faudrait revoir la formation psychologique des enseignants, leur préparer à affronter la nouvelle jeunesse. Bon, voici une nouvelle rentrée qui commence. On ne veut plus vivre ce genre de situation. On n'aimerait plus qu'on reste à la maison, puis qu'on nous dise un enseignant est mort. Et à ce que je sache, il n'y a pas de structure en place pour le suivi psychologique des enseignants et des éducations, du moins de façon très très intense dans notre pays. Dans ce cadre-là, il faudrait une solution assez radicale. Augmenter la sécurité dans nos établissements, si je peux dire cela. La sécurité, c'est-à-dire augmenter la fouille, empêcher les élèves d'entrer avec le matériel, avec un matériel dangereux, c'est-à-dire les couteaux, les machettes. Et aussi même... Les compères. Non, mais si je voulais, j'en revenais, parce que c'est vraiment si on fouille et qu'on les empêche, il y a le compas qui fait partie du manuel académique. Comment empêcher un élève d'entrer, bien d'utiliser, de prendre son compas et de l'utiliser contre l'enseignant? C'est très délicat. Peu importe le degré de sécurité, à part si on nous dit qu'on va imposer un gendarme passant de classe. Mais même jusque-là, il y a un risque de récidive. Ce que je dirais, c'est quoi? Conseiller les jeunes, en fait. Tout se passe au niveau des enseignants. L'enseignant est censé être maître de lui-même. C'est ça le professeur. Le professeur est censé donner l'exemple. Si tu perds ton sang-froid devant un élève, comment lui enseigner à garder son sang-froid demain par rapport à une situation? Parce que tout part de là. Les enfants ont une mentalité, les élèves et les professeurs sont comme des parents. On dit, si tu n'arrives pas à enseigner à ton enfant, si tu n'arrives pas à garder ton sang-froid, si tu n'arrives pas à donner l'exemple, comment veux-tu que ton enfant ou bien la personne que tu es censé élever puisse suivre cela? Merci bien. De toute façon, on ne peut qu'espérer que cette nouvelle année académique soit bien meilleure que l'ancienne. Alors, que pensez-vous de la rentrée du 5 octobre 2020 avec des mesures plutôt particulières qui ont été prises à cause de la COVID-19, entre autres la mi-temps effectif réduit à 5 ans et surtout le e-learning? Est-ce que ça sera efficace et effectif? Maintenant, aller au système de mi-temps, c'est vrai, ça pourrait être bénéfique, mais à quel coût et à quel prix? La sécurité des étudiants qui vont aller, par exemple, de 12h, disons de 14h jusqu'à 18h, 19h. Donc c'est 12h30. 12h30, 17h30, 12h30, 17h, la sécurité d'abord. Et maintenant qu'on parle du e-learning, il faudrait voir la situation sociopolitique, la situation sociale de nos familles. Toutes les familles n'ont pas accès à l'Internet. Toutes les familles, qu'on se dise la vérité, toutes les familles au Cameroun n'ont pas un téléphone Android, tous les étudiants n'ont pas un téléphone Android, tous les élèves n'en ont pas. Maintenant, s'il faut aller au e-learning, ça sera favoriser certains et au détriment des autres. Ça, c'est un point qu'il faut, sur lequel il faut réellement insister. Mais ça rejoint l'adage selon lequel l'école n'est pas faite pour les pauvres, en fait. Non, l'école n'est pas censée être faite pour les pauvres. L'école est censée être accessible à tout le monde. Maintenant, c'est au gouvernement en place de s'arranger pour que l'école puisse être disponible pour tous, pour le plus démunis. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que j'ose croire que le gouvernement, il a pris des mesures qu'il a jugées être nécessaires et bonnes. Je dirais une phase de test, en fait. Et dans toute solution prise doit avoir une phase de test. Après 6 mois sans pratique. Oui, après 6 mois, pas sûr. Non, 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 ma tête dit non, c'est pas comme ça, faut commencer. Non, pas question de test. Je suppose qu'ils ont pris cela sur la base des cours en ligne qu'ils ont donnés pendant toute la période de COVID-19. On suppose que pendant toutes ces périodes, certains ont pris des dispositions pour que les enfants puissent suivre les cours. Pendant le COVID, les enfants étaient strictement confinés à la maison. Ce qui fait que malgré toutes les mesures, ce n'était pas ce qu'ils apprenaient. Il y a d'autres qui étaient réfugiés à autre chose. Mais maintenant, ici, là, il s'agit, selon leur programme, selon l'étude que je fais, de combiner les cours à la maison et les suivis à l'école. Là, c'est mieux. On pourrait dire qu'ils ont fait une phase test qui était la période de cours en ligne pendant le Covid. Et puis maintenant, ils reviennent avec une amélioration. Maintenant, même cette amélioration, il faudrait la tester. Pendant quoi? Je suppose la première période, c'est-à-dire le premier semestre de cours. Et après le premier semestre, le premier trimestre, maintenant, décider si on va maintenir cela ou bien si on va revenir à la méthode classique.
Mais ce qui est sûr, il faudra à un moment ou à un autre revenir à cette méthode classique. Alors aujourd'hui, ça a embrouillé les élèves carrément. Tu dis, on va faire une période de test concernant le premier trimestre, pas vous venez le matin et ensuite vous venez pas le soir. Et après, vous venez chambouler le tout, maintenant c'est du matin, au soir. Justement, en fait, on est obligé de suivre la mouvance. Il y a d'abord eu un premier chamboulement qui n'a pas été fait. De toute façon, on a compris votre proposition et merci en tout cas. Donc qu'est-ce que vous direz donc à toutes ces personnes qui vous écoutent? Pour cette rentrée qui commence lundi le 5 octobre 2020, les conseillers, les parents, les enseignants, les élèves, bien évidemment, les étudiants. Je dirais déjà pour les parents de beaucoup de courage, parce que c'est pas facile. Pour les élèves, je dirais qu'il faudrait vous mettre en condition. Vous mettre en condition, c'est-à-dire quoi? Il faudrait vous préparer d'abord mentalement, il faudrait accepter que la période de vacances, bien qu'elle ait été courte, elle s'est achevée. Et maintenant, il faut aller à l'école. Période de vacances. Oui, c'était très court. Je ne mets pas le confinement à l'intérieur. Il y a une vacances très courte à la fin des examens jusqu'à présent. D'accord. Bien qu'elle était très courte, c'est le moment de repartir à l'école, de profiner et de préparer son avenir. Merci bien pour votre intervention. Ça sera donc tout pour cette rubrique Faute de temps. Et j'espère qu'à la maison, on a pu répondre aux différentes attentes. Lorsqu'on s'obstine à faire l'alliage entre le bonus et les divers, ça donne les boudifs. Tout de suite, donc, ce sont les boudifs avec Castille Diomo. Le boudif aujourd'hui va s'intéresser à une structure, spéciale. Il s'agit de la D3J Royal Agency. Avec un entrepreneur, jeune, au nom de Dogmo Dimitri Jésus. Alors, Monsieur Dogmo, qu'est-ce que c'est la D3J Royal Agency? La D3J Royal Agency est une entreprise jeune, nouvellement créée. Elle a une expérience sur le terrain d'environ 3 mois. C'est une entreprise qui a 3 volets. Le premier volet est une agence de mannequinat et de tests événementiels, la Royal Model Agency, où nous formons et mettons à la disposition des différents publics un batch de tests de mannequins professionnels, de modèles photo avec une formation de qualité et un diplôme afin de formation. Ensuite, nous avons une agence événementielle qui est là pour accompagner tous les publics, tous nos différents publics, jeunes comme vieux, dans tous leurs événements, c'est-à-dire organisation des mariages, organisation des événements à caractère culturel, compétition. Ça se passe comment? Quelqu'un vient vous dire juste je me marie et vous vous occupez de tout? Oui, exactement. En fait, vous savez, nous avons plusieurs propositions. Par exemple, pour un mariage, vous venez, vous avez la possibilité soit d'être accompagné ou bien d'organiser le mariage totalement. C'est-à-dire quoi? Généralement, dans le mariage, une partie est faite par un soutien événementiel et une autre partie est faite par la famille. Donc, vous avez la possibilité de faire tout. Planifier le mariage, choisir la salle, l'équipe qui va vous accompagner, le protocole, la sécurité, la location des véhicules, l'habillement de la miss, la coiffure, le make-up, tout est pris en charge. Donc, je peux décider de me marier, je dis, tu je m'abandonne à vous. Oui, on fait un budget, vous donnez le financement et on vous dit, bon, voilà comment ça sera suivi. En ce qui concerne même le service traiteur, tout est suivi. Et la satisfaction sera garantie. La satisfaction est garantie. Okay. Et maintenant, le troisième volet, c'est une agence de communication. C'est-à-dire, nous accompagnons les structures jeunes et anciennes dans toute leur. Tous les développements, si on peut utiliser ce terme, c'est-à-dire quoi, nous élaborons les stratégies de communication, nous participons à la confection des outils de communication. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, les t-shirts, puisque certains portent dans des événements, c'est un outil de communication. Les salons, il y a des entreprises, un peu comme Yafé. Yafé qui est organisé chaque année est un espace, un outil de communication. Les salons, comme promote. La foire promote, la foire promote est un outil de communication. Une entreprise peut décider d'organiser une foire ou un salon et maintenant nous contacter pour que nous fassions cela. Nous planifions, nous conseillons et puis nous renvoyons cela à la structure événementielle qui est chargée d'organiser. Donc nous voulons mettre à disposition de tous les publics tout sur le même plan. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Si vous avez besoin de quelque chose, tout est sur place. Quelle est la particularité de Royal Model Agency? Pourquoi est-ce que le citoyen lambda doit se rendre dans votre agence et nulle part ailleurs? Déjà parce que nous sommes une équipe jeune, dynamique et avec une formation de qualité. Nous avons de l'expérience. C'est vrai que l'entreprise est jeune, mais ceux qui exercent dans l'entreprise ont une expérience. Par exemple, prenons le cas de moi, j'ai une expérience d'environ 10 ans dans le monde de la mode.
et pratiquement 5 ans en ce qui concerne la communication, c'est vrai, pour un jeune, c'est déjà beaucoup. Et aussi, on dit souvent, c'est le travail qui parle en fait. C'est le travail qui parle. Venez par curiosité, bien, venez juste pour visiter, vous resterez par satisfaction. Passez en dessous. Merci, M. Dormo, de nous avoir apporté quelques éclaircissements sur ces points obscurs. Donc, pour tous ceux qui ont des événements, que ce soit dans le volet de la communication, dans vos mariages ou bien dans le professionnel, on dit quoi? Pour vous professionnaliser en mannequinat, n'hésitez surtout pas à le contacter. Le numéro va s'afficher en bas de l'écran. J'irai même plus loin, si vous me permettez. Nous organisons tout type d'événements. Anniversaire, nous organisons. Baby shower, nous organisons. C'est quoi baby shower? Baby shower, en fait, c'est un événement nouveau. C'est-à-dire quoi? Généralement, on connaît en Afrique le voir bébé. C'est-à-dire quoi? Vous vous accouchez et après vous présentez l'enfant à la famille et à vos amis. Maintenant, il y a le baby shower. C'est-à-dire quoi? C'est avant, en fait. Vous faites une cérémonie pour présenter le nom et le sexe de votre enfant. C'est intéressant. On a vu aussi qu'on est de compagnie qui vient aujourd'hui. Nous voici arrivés au terme de cette nouvelle édition de votre émission Web Jeunes n'ont pas génération du 21e siècle. J'espère que vous avez apprécié et je tiens encore à remercier notre invité. Un plaisir partagé. Nous espérons que vous avez kiffé l'émission. N'oubliez surtout pas les trois formules. Abonnez-vous, participez, likez. Alors j'ose croire que jusqu'à ce niveau, vous avez déjà compris notre nouveau système de fonctionnement et que vous appréciez également toutes les nouvelles modifications que nous apportons parce que désormais en tant que JP Channel, on a pas mal de programmes qui animent notre chaîne, entre autres nos morts de tout et de rien. Ça sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Bye bye. Tchuss.